ديم في فاز البانيا ديم بيجرب أنا وين بس جابت نتون ستيران في فاز في فاز زمان أنا نريك مارشان يا فنان من السياسة أنا فرتي بوليتيك أنا نمنشت زيلاني أنا مفهم من جريمة من السوسمية أم باك زار تازوسيجا كتوسيجا ديمقراطية فرام أنكوبا تشكيل فرام دشتاتانا نكون في فاز أم باجوسيجا Firenena tony izany a sapatelady aby le conflit ohatra nisan'andro mandeha misy fosa zay zany no jerevana hoe inona ny tokony atoa mba zahontsika hoe fanana milamina sy miafaka mifanaraka mba hitondra zavatra tsara tsy mikorotana eto amity firenena ty. Merasile lua de salari samzom, mas acho que tem tempo na vai ter salari samzom, se quiser ter um salário de simula tudo a tamzé se já teu a falecer a já o levar já manem nevia de manu anjami partia anjami associação de chaja anteira na zéia san mas minha pa zéia merasira nem de boca já panem tem atacam tenisia fazer de ter a nuca na seta vamos ver a gente o de vaga e as an manuca na que dia vem a mulher na na mas minha pa Oui, ce qu'on vient de dire à l'ouverture de cet atelier, c'est que la femme ici à Madagascar n'est pas représentée au même niveau que l'homme dans les instances de prise de décision, même dans les instances politiques. Et nous avons vu les chiffres qui sont un peu vraiment bas par rapport à la comparaison aux autres pays et même dans l'Afrique. On a vu les chiffres, par exemple, au niveau de l'Assemblée, je pense qu'on a vu 18 ou 19%, au niveau du Sénat, 21%, et on a vu que même au niveau décentralisé, c'est encore pire. Il n'y a aucune femme chef de région, si je ne me trompe pas, et même le chef de district, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si le chiffre de 3 sur 150 est vrai, et ça montre que c'est vraiment bas. Et que les femmes leaders qui sont ici, les femmes qui représentent des partis politiques, les femmes qui sont chefs des institutions, les femmes qui représentent des secteurs privés, nous devons discuter, voir comment nous pouvons renforcer la capacité des femmes, comment les femmes peuvent se positionner mieux pour vraiment occuper leur position, parce que nous le savons que tout ce qui est fait sans les femmes ne peut pas être durable. Les femmes constituent plus qu'une moitié de la population.